Dieu, viens à mon aide. Sa grande soumission quand il fit au Seigneur.
Notre rendez-vous,
De la première épître de saint Pierre. Je m'adresse à ceux qui exercent parmi vous la fonction d'anciens, car moi aussi je fais partie des anciens. Je suis témoin de la passion du Christ et je communierai à la gloire qui va se révéler. Soyez les bergers du troupeau de Dieu qui vous est confié. Veillez sur lui, non par contrainte, mais de bon cœur, comme Dieu le veut, non par une misérable cupidité, mais par dévouement, sans commander en maître à ceux dont vous avez reçu la charge, mais en devenant les modèles du troupeau. Et quand se manifestera le berger suprême, vous remporterez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. Heureux serviteur fidèle et vigilant que le maître a établi sur sa maison, pour donner à chacun en temps voulu sa mesure de froment. Louons le Christ.
Christ le grand prêtre, prie parmi les hommes pour intervenir en notre faveur et prions-le. Tu as donné à ton Église des pasteurs animés de l'esprit de l'Évangile. Accorde à ton peuple la même connaissance et le même courage. À la prière de Moïse et de tes saints pasteurs, tu as pardonné les péchés de ton peuple. Que à leur intercession purifie l'Église aujourd'hui. Tu t'es choisi des saints parmi ton peuple et tu les as conduits par ton esprit. Donne ce même esprit à tous les pasteurs de ton Église. Toi, l'unique richesse des saints, qu'aucun homme sauvé par ton sang ne demeure loin de toi. Toi qui donnes la vie aux troupeaux par la main de ces pasteurs, qu'aucun défunt ne se perde, tu t'es livré pour eux, sauve-les. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Maintiens dans ton peuple, Seigneur, l'esprit qui animait Saint Charles Borromée, ainsi ton Église sans cesse renouvelée et toujours plus fidèle à l'Évangile pourra montrer au monde le vrai visage du Christ, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Amen.